Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, je suis venu voir la tribu qui est sur cette page-là. Ça fait des jours. Je veux qu'ils nous voient un peu, même si on dit. C'est pas comme souhait. Même si on dit, c'est pas comme souhait. Donc, je suis venu voir un peu la tribu ici. Je suis venu informer la tribu qui est ici. Partagez la vidéo. Vous qui êtes abonné ici, là, vous n'êtes pas au courant de l'histoire qui se passe. Donc, je vais informer les autres membres de la tribu qui rentrent dans mon inbox. C'est-à-dire, il faut m'expliquer. Nous, on est ici, là. Nous, on est de l'autre côté là-bas. On ne comprend rien et tout. On n'a pas suivi cette partie-là. On sait de qui tu parles, mais on ne comprend ni rien. Partager. Non, je ne veux pas, je veux juste partager. Et quoi? Que quoi? Voilà. Partage. Je veux partager sur cette page. Non, je veux. Il fait aussi. Merci pour la visite. De rien, chérie. Comme je sais que des fois, il bloque là. Donc, je sais qu'il y a d'autres qui sont ici qui ne peuvent pas commenter aussi de l'autre côté parce qu'elles ont été bloquées, parce qu'on ne s'est pas entendu sur un sujet. Après, j'ai oublié de les débloquer. Donc, ce qui fait qu'elles restent bloquées. Donc, je viens ici pour vous expliquer un peu la suite des événements. Voilà. Ce qui se passe à Abidjan actuellement. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. J'ai vu la vidéo de Maman Bleu Bougetier jusqu'à hier mourir. En tout cas, vous qui êtes à la Makala, cette fille-là, elle enregistre les gens. Oui, elle enregistre les gens. Quand elle va arriver là-bas, là, elle ne peut pas vous enregistrer pour donner ça au garde pénitentiaire. Là. Vous allez voir, on va vous maltraiter, mais vous ne savez pas pourquoi vous êtes maltraité. Oui, vous ne savez pas pourquoi votre... En tout cas, on vous dit, hein, vos parents, vous qui avez des personnes en prison, allez leur rendre visite là-bas. Vous dites, il y a une enregistreuse internationale qui vient d'arriver là-bas. Là. En tout cas, elle n'avait pas de problème avec le blogueur. On ne l'avait rien fait. On ne l'avait pas provoqué. Rien. C'est son comportement qu'elle a. C'est son modèle qu'elle a. Vous qui avez des parents qui sont incarcérés, et pas du bâtiment des femmes qui sont incarcérées. Il y a une enregistreuse internationale. Elle a peut-être enregistrement sur son corps. On ne sait pas où elle met ses appareils pour enregistrer. Où. On ne sait pas. Oui, oui. En tout cas, on va vous prévenir. On préfère vous prévenir en même temps. Oui, oui. Parce que ce n'est pas en prison là-bas. Vous allez partir sous les délits pour mettre sur vous. Vous n'allez pas vous en rendre compte. On va vous convoquer. Le juge va vous convoquer. Et puis, il va alourdir votre peine. Juste parce que vous avez critiqué quelqu'un là-bas, quelqu'un vous a enregistré. Oui, oui. Oui, oui. Juste parce que vous êtes parti vous asseoir, vous avez commencé à parler, parler. Elle va enregistrer, elle va dire que c'est aveu que vous êtes en train de faire. Un matin, vous allez vous réveiller, tu es parti pour deux mois, tu te retrouves à 6 ans de prison. Oui, oui. Hein? Vous qui êtes à bien, qui êtes à vos soeurs, nièces, cousines, tantes, oncles, grand-mère, et dites oncle. Mon oncle penché, voilà. Les, ni femme ni garçon. Là. Vous qui avez vos oncles là-bas,
Voilà. Allez la rendre visite. Hein. Courez en même temps. C'est-à-dire que la maca doit être remplie, elle est là. Allez prévenir tous vos parents qui sont là-bas. Là. Oui, oui. Parce qu'il y a une enregistreuse internationale qui vient de monter dans le bus direction maca. Oui, oui. En tout cas, nous, on vous a dit, hein. Oui, oui. C'est comme ça, moi, Edwige, j'ai informé les autres. Quand elle était assise sur ma vie, là. Oui, oui. Les aides-moi détestons ont couru pour aller là-bas. Ils les ont informés. Hein. Ils ont pensé que c'est Edwige qui avait un problème. Ils ont pensé que c'est Edwige qui n'était pas bonne. Ils ont dit que, oh, Edwige, là, ouais. Quand elle est descendue sur leur vie, elle a créé séisme. Oui, oui. Parce qu'au départ, c'était le comité qui était affiché. On dit la secrétaire. Parce que la première secrétaire qui était sortie, c'était la secrétaire de chez les voisins d'à côté. Oui, oui. Les brebis égarées. La secrétaire des brebis égarées est sortie sur Facebook ici. Elle a commencé à faire son récit. Nous, on n'est pas parti faire aide-moi à détester. Elle m'a appelé. C'est pas on, elle est là. Elle n'est pas encore morte. Elle m'a appelé. Elle m'a demandé pardon. Je ne lui ai pas demandé de faire vidéo. Je ne l'ai pas chargé. Venez m'asseoir sur les gens. Je ne suis pas allé faire aide-moi à détester là-bas. Et si je restais dans mon coin, j'ai porté ma casquette de présidente. Et puis j'étais en train de gérer mon truc. Et puis j'étais de loin et les regardais. Oui, oui. Elle a fait son cinéma qu'elle devait faire. Elle a fini de faire son cinéma. Elle est rentrée dans sa caserne tranquille. Elle a continué son blog. Maintenant, nous, notre secrétaire. Elle était déjà ou pam pam tous les jours. Et c'est pas les gens. Vraiment, ils ont vraiment un problème avec moi. Je pense que le problème que vous avez avec moi est profond. Et c'est tellement direct que je pense que c'est cette peur qui vous anime. Oui, cette peur qui vous anime. Parce que vous avez tout suivi. Vous faites esprit. Hein? Quand nous, notre secrétaire est sorti là, on a vu hein, les loups être moins détestés maintenant. Oui, oui. Lourdement. Aide-moi à détester. Tout l'autre côté, là, les brebis égarées, là, on les a vus. Hein. Ils étaient dans le téléphone de la fille, là. Oui, oui. Copinage, camaraderie, amitié, lourde fraternité. Oui, oui. Elle est en train d'être jugée. Elle s'en va à la maca. Pas pour l'épisode qu'elle a eu à vous faire. Pour l'épisode où vous l'avez soutenue. C'est ça le vrai point. Le vrai point, c'est que vous l'avez soutenue dans ce qu'elle était en train de faire. Le vrai point, c'est que vous étiez d'accord avec ce qu'elle était en train de faire. Si après, maintenant, il y a eu une histoire rocambolesque digne d'une infiltration de chez votre côté. Quand vous avez fait sortir les notes vocales où elle parlait mal de votre groupe, vous étiez assis, vous dites non, elle appartenait à l'autre groupe, c'est pour ça qu'elle parlait mal de nous. Elle n'a pas gâté le comité. Non, non. Elle n'a pas gâté le comité. Ce qui a gâté le comité, c'est la malhonnêteté des gens. Oui, oui, c'est ça. C'est la malhonnêteté des gens qui ont gâté le comité. Sinon, quand elle est partie, le comité était toujours là. Le comité était plus solide. Elle est partie et puis on a signé le contrat avec Didier Drogba. Oui, oui. Elle est partie et puis on avait encore des projets. Elle est partie et puis on était toujours dans le comité là. Le comité moussait. Oui, le comité jassait. Oui, oui. Ce qui a gâté le comité, c'est la malhonnêteté des gens qui étaient dans le comité. Oui, oui, c'est ça qui a gâté le comité. La jalousie, la frustration, l'envie. Parce qu'il y avait des gens qui étaient dans le comité, là. Du fait qu'elle soit ma secrétaire et du fait qu'ils entendent les audios, là, ils se sont dit que ce qu'elle était en train de raconter, là, il y avait quelque chose d'essentiel dedans. Oui, oui. Non. C'est pas elle qui a gâté le comité. Le comité a été gâté par la frustration de toutes les personnes qui sont là-dedans, qui n'ont pas de respect pour leur présidente. Oui, oui. C'est pas parce que la présidente n'est pas bonne. C'est parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas de respect pour leur présidente. C'est tout. Mmh. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que quand tu ne respectes pas ton président, ça t'amène à faire des choses comme ça. C'est ça le problème. Mmh. Le problème, c'est qu'ils veulent. Je suis la présidente et puis eux, ils veulent utiliser leur âge pour discuter avec moi. Pendant que je suis votre présidente, c'est pas la même chose. Du moment où je suis votre présidente là, il n'y a plus âge qui compte. Il n'y a plus âge qui compte. C'est autre chose. On rentre dans un autre cadre. On rentre dans le cadre de travail. On rentre pas dans le cadre de tu es ma maman, tu es ma grande soeur, tu es ma maman, tu es ma grande soeur. C'est le boulot. Oui, oui. Il faut que j'impose mon autorité.
Il faut que je sois présidente. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème, c'est ça. Elle n'a pas pu gâter le comité. Oui, elle n'a pas pu gâter le comité. Vous savez comment il y a eu le vrai problème à commencer. Il n'y a pas envie de rappeler, c'était un souvenir, mais vous savez comment ça s'est passé. Vous savez qu'elle est partie là. Elle a essayé, ça n'a pas fonctionné. Oui, oui. C'est la frustration des gens qui étaient dans le groupe. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne veulent pas reconnaître. Quand eux, ils me font quelque chose, moi, je dois avoir la stratégie. Je dois avoir la diplomatie. Je dois avoir la technique pour venir parler. Mais eux, ils peuvent se permettre de parler comme ils veulent. Mais ils oublient que je suis la présidente. Le problème, c'est ça. C'est que les gens ne savent pas respecter. C'est que l'institution, c'est-à-dire que d'un gouvernement et d'une présidence. Le problème, c'est... C'est des gens qui sont allés à l'école, mais qui sont encore analphabètes dans les cerveaux, qui ne connaissent pas les règles, qui ne savent pas respecter l'autorité. Aucun respect pour l'autorité. C'est des gens qui n'étaient pas disciplinés. Moi, je ne pouvais pas charger des gens qui peuvent sortir à n'importe quel moment pour essayer de me créer des problèmes. Je ne pouvais pas les charger, je les ai déchargés. Au calme, ça n'a pas chauffé. Parce qu'ils pensaient que c'était à moi, ils étaient en train de faire du bien. Ils pensaient que c'était à moi que ça profitait. Ils pensaient que c'était moi qui générais les choses. Donc je les ai déposées au calme. Ça n'avait pas chauffé. Mais... Oui, oui. Parce qu'ils pensaient que c'était eux qui étaient en train de me mettre en haut. Ils ne savaient pas qu'ils étaient devenus fardeaux sur mon dos. Et que si je les dépose, moi-même, je vais continuer à arriver où ils partaient là. C'est eux qui m'ont traîné. C'est eux qui m'ont retardé. C'est eux qui m'ont entraîné. Oui, oui. C'est eux qui m'ont retardé. À cause de leur parole, leur bouche. Quand lui-là vient parler parce qu'elle dit j'ai eu à causer lui. Quand celui-là a dit quelque chose, elle dit viens s'asseoir pour l'ouvrir. Parce qu'il a une fois vu elle dit, parce qu'elle dit l'a considéré du fait qu'il faisait partie du comité. Oui, oui. Tous ceux qui étaient dans leur coin tranquillement, ils ont fait leur programme. Moi, j'étais obligé de composer à eux. Oui, oui. J'étais obligé de faire mes choses en fonction d'eux. Ils m'ont retardé. Donc, je les ai déposés. Au calme, ça n'a pas chauffé. Je les ai déposés. Hein? Oui, oui. Si elle veut le comité, tout ça, il le soulève. C'est vrai, il ne veut plus. Il y a trop de méchantes personnes là-bas. Ils veulent se faire passer pour des gentils et utiliser mon nom. Oui, oui. Utiliser mon nom. C'est lui qui m'a attribué. Oui, oui. C'est tout. Sinon, ce sont des très méchantes personnes. Des gens avec qui on ne peut pas discuter. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, sinon il va aller sur l'autre page là-bas. Oui, oui. Partagez le direct, sinon il va aller de l'autre côté. Et vous laissez ce bac là-bas. Donc il disait, il y a beaucoup de choses même. Il y a des gens, ils étaient frustrés. Oui, oui. La frustration des abonnés. Des gens qui sont à souffle d'image, de notoriété, qui ont essayé de l'intérieur de créer une zizanie. Il y a des gens qui sont venus avec leur programme dans la tête et ils ont voulu imposer leur programme à la présidente. En tant c'est un programme qui est voué à l'échec. Oui, oui. Il y a des gens qui ont pensé qu'ils allaient rentrer dans le comité là. Oui, oui. Ils allaient distribuer l'argent.
Comme si moi, me distribuais l'argent. Il y a des gens qui ont pensé que dans le comité, là, ils pouvaient venir être, faire la loi et gérer les choses sans toutefois même écouter la personne qui est en train de parler. Oui, oui. C'est ce qu'il y a des gens qui ont pensé. Ils ont pensé qu'ils allaient venir prendre des audios. Il y a plein qui sont entrés dans le comité. Rien que pour avoir les audios d'Edwige, pour utiliser sa compte Edwige demain, mais ils n'ont pas eu. Ça crée encore de la frustration. Et ils sont venus encore déverser leur méchanceté sur la toile. Si tu les as demandé ce qu'Edwige les a fait, ou bien ce qu'Edwige a fait à certaines personnes dans le comité, ils n'auront rien à répondre. Même s'ils prennent tous mes audios, ils n'auront rien à répondre. Eux-mêmes, ils sont venus quelque part là. Ils voulaient pas être là. Ils étaient là juste pour pouvoir diriger la chose pour aller vers quelqu'un. Mais ça fait 20 ans dans les mains. Oui, oui, ça fait 20 ans dans les mains. Voilà. Donc, ils ont pensé qu'ils pouvaient créer quelque chose. Je les ai démontré par APSP qu'ils ne peuvent pas créer quelque chose. Eux-mêmes, ils savent que ça ne chauffe pas. Si on doit faire une coalition, c'est moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut. Il n'y a pas quelqu'un qui peut. Eux-mêmes, ils savent au fond d'eux. Il n'y a pas. Parce que quand celle-là est sortie du comité, le comité est encore plus soudé. Oui, le comité est encore plus fort. Quand ils ont vu la poigne avec laquelle j'ai géré les choses, folie les a pris. C'est eux-mêmes qui étaient dans le comité là. C'est eux-mêmes. Ils ont vu le truc était structuré. Il y a un même qui a voulu me voler la chaise en bas. Il a voulu tirer en bas de moi, mais il a tombé même. Oui, oui. Il a eu une opportunité. Quand tout a été fini de structurer, on a commencé à voir. On était nominés aux élites. On a commencé à voir. C'est-à-dire qu'on commençait à avoir quelques partenariats. Oui, oui. On commençait. Il a vu comment ça se faisait. Il causait avec des gens. Il s'est dit que c'est bon. Elle a déjà fini de faire le travail. Bêta, je m'assois. Bêta, je cherche. Deux personnes sont faites par là. Ça n'a rien à voir avec Edwige. Mais c'est Edwige qui est responsable. Mon Dieu. Oui. Sur Facebook ici. Deux personnes sont faites par là. Ça n'a rien à voir avec Edwige. On va dire que si un est sorti pour James et l'autre doit sortir pour répondre. C'est juste. Oui, oui. Donc toi, tu finis de James et la personne. Et personne n'a qu'à s'asseoir chez lui. Et puis, on n'a qu'à dire pardon, pardon. Il faut laisser. Non, non, non. Demain, n'importe qui va se lever pour James et n'importe qui. Oui, oui. Tu as le droit de répondre une fois. Et puis tu laisses la personne. Si la personne sort encore, elle est sanctionnée. C'était comme ça. Mais on voulait m'empêcher de diriger celle la main de fer, d'imposer pour que chaque membre ait son respect. Ça ne chauffe pas. Voilà. Donc, j'ai laissé ça dans les mains. Oui, oui. J'ai déposé ça chouette. Et puis moi-même, j'ai glissé. Et c'est passé à gauche. Donc, elle a essayé. Ça n'a pas fonctionné. Oui, oui. Mais ce qu'elle a réussi à détruire, vous avez vu ici. Oui, oui. Le groupe qu'elle a réussi à détruire, là, vous avez vu. C'est eux qui sont allés faire aide-moi détester. De fois, tu t'en fais aide-moi détester, là. Tu penses que c'est la personne que tu es en train de détruire. Mais tu t'es détruit toi-même. Dans aide-moi détester, là, il y a plein qui ont pris obus. Il y a plein qui ont pris obus. Les voisins, les brebis égarées. Ils ont soulevé au but. Oui, oui. On a commencé. Ils ont commencé à se disperser. Elle a commencé à les enregistrer entre eux. Les faire écouter entre eux. Allez dire que mon oncle a pris l'argent. Oui, il a bouffé l'argent sur le dos de quelqu'un. Allez dire qu'il y a une quelque part là-bas. Pétou noir a pris l'argent pour les faire opération. Allez dire ici que la personne. Où ça a commencé là? C'est où elle est venue s'asseoir pour dire que la soeur de Petit Noir, c'est elle qui lui donne toutes les informations. C'est là que Bangwa a commencé. Allez maintenant, il y a une là. Elle n'écrit pas là-bas. On dit, je ne sais pas de quel pays, même si c'est Belgique, quoi. C'est Italie, ou si c'est où. Elle n'écrit pas là-bas. Elle est rentrée, elle a fait la causerie. Ma soeur. Jusqu'on va voir dedans. Oui. Jusqu'on va voir dedans, il y a lourde rancune qui est en bas comme ça. Petite étincelle de feu, lourd clash, allumage. Oui, oui. Mais je n'ai jamais eu besoin de quelqu'un pour me combattre. Ils ont toujours voulu se mettre à moi pour que moi je vienne les défendre, pour que je puisse venir les soutenir.
Parce qu'ils savent ce que... Ils savent que je suis quelqu'un de très loyal. Ils savent que ça ne me dérange pas, moi, Edwige, de... C'est-à-dire que de déposer mon statut de présidente à côté et puis d'aller défendre quelqu'un qui a 2-3 abonnés qui fait partie de mon comité. Ils le savent. Ils le savent. Et puis, je suis la seule à faire ça, ça ne chauffe pas. Il ne fait pas comme s'il ne te voit pas. Je te donne l'intérêt. Je te donne l'envie. C'est à moi ce que je ne sais pas. S'il essaie, il va sortir, je vais faire. Parce qu'il n'y a pas petite personne chez moi. Tout le monde est même chose. Il n'y a pas petite personne chez moi parce qu'on ne connaît pas demain. On ne connaît pas l'avenir. Aujourd'hui, tu es là, tu es en train de rouler dans Dumba voiture. Demain, la personne que tu as jeté, fumé sur lui, tu le vois demain. Lui, c'est le propriétaire même de Dadian. Donc, la vie, là, c'est devant. On vit le présent, mais dans le présent, on est en train de vivre là. Faut pas, on va oublier que le présent, là, ça devient passé. Et que l'avenir nous attend. C'est-à-dire que ton présent, de toute façon, tu es méchant avec ton voisin. De toute façon, tu es méchant avec ton ami. De toute façon, tu es méchant avec ton semblable. Faut te dire que demain, dans l'avenir, là, ça sera ton passé et ça sera le passé de ton semblable. Et s'il arrive devant dans sa réussite, là, il va te dire dans le passé, là. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Il va te dire dans ton passé, là. Parce que c'est ce que tu as eu à me faire. Oui, oui. Dans la vie, là, il faut penser toujours à demain. À avoir des personnes sûres autour de toi pour te permettre d'évoluer et d'arriver où tu veux. C'est très important. C'est très important. Actuellement, tout le monde jubile. Tout le monde est content. Oui, oui. Tout le monde est content parce qu'on a réussi à sauver un peu. Oui, oui. Tout le monde, c'est la première fois qu'on envoie quelqu'un en prison et que tout le monde est d'accord avec ça. Oui, oui. C'est la première fois. On dit même en Côte d'Ivoire, dans les rues d'Abidjan, même si on fait un micro tout droit, les gens disent qu'elle n'a qu'à laisser reposer là-bas un peu. Elle n'a qu'à laisser reposer là-bas un peu. Tout le monde est content. Quand je dis content, tout le monde s'est dit que la loi a été respectée. Tout le monde s'est dit... C'est ce qu'elle mérite. Tout le monde se dit, elle doit aller là-bas un peu pour comprendre un peu la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui a courage. Il n'y a pas quelqu'un qui a cœur. Après, c'est que les personnes ont eu à voir de s'élever, venir faire une directe pour dire qu'ils vont soutenir ces derniers. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Parce que c'est ce que cette fille a fait. Pendant que les gens étaient en train de l'encourager. Il y avait beaucoup qui l'encourageaient. En tout cas, c'est dit la vérité. En tout cas, c'est dit la vérité, c'est quand ça s'est retourné sur eux là. C'est là qu'ils ont commencé à voir, à prendre le nom de la dame comme s'ils sont en train de défendre la dame. Enfin, c'est par rapport à ce qu'ils ont vécu avec cette dernière. Il y avait beaucoup qui étaient contents. On vous a vu sur la toile ici, vous faites honte. Oui, oui. Vous faites honte. Oui. Il y avait beaucoup comme ça qui étaient contents, qui jubilaient, qui étaient heureux. Oui, oui. Elle ne savait pas que les gens étaient en train de l'envoyer à l'abattoir. Elle ne savait pas que les gens étaient en train de l'envoyer. Elle ne savait pas. Aujourd'hui, elle ressemble à une merde. Je vais vous expliquer. Elle voulait même. Elle pensait. Vous savez qu'elle a failli se. Attends. Si vous la voyez. Si vous la voyez. Elle a failli. On va dire. Elle a voulu créer un scénario. Attendez, je vais vous expliquer. Quand on lui a dit qu'on va taper son truc, elle s'en va là. Mais oui. Quand on lui a dit qu'on va taper son truc, elle s'en va là. Elle n'a plus d'espoir. Hein. Elle, dans sa tête, elle s'est dit que sa vie est finie. Elle n'est même pas courageuse. Elle n'est même pas courageuse. Oui, oui. Elle n'est pas courageuse. Jusqu'à présent, elle ne pense même pas à ses enfants. Jusqu'à présent. Elle ne pense pas à ses propres enfants. Il voit des gens qui sont en train de mettre des commentaires. Je vais vous expliquer ce qu'elle a fait là-bas. Hier seulement. Je vais vous expliquer. Cette fille-là, figurez-vous, quand il voit des gens en train de commenter, peut-être même ce qu'il est en train de laver là, c'est bien pour ses enfants. Vous ne savez pas. Dieu là, il sait ce qu'il fait. Dieu là, il sait ce qu'il fait. Peut-être ce qu'il est en train de vivre là,
ça sera bénéfique pour ses enfants demain. Parce que cette femme-là, elle était sans scrupules. Elle venait s'asseoir, elle mentait. Elle disait qu'elle connaissait des gens, la police. Elle disait qu'elle connaissait des gens. Et que son cœur bat pas. Qu'elle va arriver, elle va se prendre des avocats. Elle va se défendre. Elle va faire ceci. Elle connaît les personnalités. Elle a été envoyée. Elle est en mission. Elle est venue pour sauver le gouvernement. Pendant qu'elle était en train de faire le mal dans le gouvernement. C'est-à-dire qu'elle était en train de s'attaquer au gouvernement dans son propre sein. Ça veut dire qu'elle s'attaquait au gouvernement de l'intérieur sans qu'elle se rende compte. Sans qu'elle se rende compte, elle était en train d'attaquer le gouvernement de l'intérieur, du noyau le plus solide. Le noyau solide de la Côte d'Ivoire, c'était à ça qu'elle était en train de s'attaquer. Mais elle était dans un déni total. Quand elle l'a réalisé, quand elle a compris ce qui est en train de se passer, parce qu'au début, là, elle pleurait seulement. Elle était choquée. Oui, oui. Elle a vu sa bêtise. Elle a vu sa connerie. Donc, elle pleurait seulement. Mais quand elle a commencé à arrêter de pleurer, quand elle a essuyé, c'est hier qu'elle a arrêté de pleurer. Parce qu'elle a compris que c'est ça qui est ça. Elle a compris que c'est fait. Elle a compris que c'est ça. Donc, quand c'est son cerveau a capté que c'est ça. Ces génies sont revenus. Oui, oui. Ces génies sont revenus. Partagez la vidéo, on va avancer, s'il vous plaît. Partagez le direct, on va avancer rapidement. Elle n'est pas consciente. Hein? Oui, oui. N'ayez pas mal. Ne pleurez pas. Ne souffrez pas. Parce qu'il y a des gens qui doivent traverser certaines choses. Pour le bien de leur famille et pour leur bien. Deux fois, tu es dans quelque chose. Deux fois, tu souffres. Deux fois, tu es dans une situation. Oui, oui. Deux fois, tu es dans une situation. Et tu ne sais pas pourquoi Dieu te fait passer ce genre de preuve-là. Deux fois, ce n'est pas forcément pour toi. Deux fois, tu dois avoir une leçon de vie pour pouvoir éduquer des êtres que Dieu t'a confiés. Oui, oui. Parce que l'exemple qu'elle était pour ses enfants n'était pas bon. Il fallait que Dieu y remédie. C'était pas bon. Elle mentait. Elle connaît lui-là. Elle connaît lui-là. Elle l'a envoyé. Elle est en mission. Oui, oui. Elle a été envoyée en mission. Qu'il y a des gens derrière elle. Tout ça là, elle racontait sur Facebook. Aujourd'hui, vraiment. Aujourd'hui, on cherche à gauche, on cherche à droite. Tout le monde est rentré dans le trou de rat. Va loin. Oui, oui. Va loin. Tous ceux qui étaient là, tous ceux qui détestaient Myriam, qui étaient là en bas pour l'aider, pour la pousser, pour la blaguer, ce sont les mêmes personnes là qui l'ont envoyé à l'abattoir. Oui, oui. Tous ceux qui l'encourageaient, tous ceux qui détestaient Myriam, là, qui l'encourageait là, c'était eux. Lui. Quand ils ont vu, parce que le 9 février, il est partagé ça sur ma page, Edwige Milon officielle, allez regarder. Le 9 février, ils ont vu Myriam arrêtée sur ses pieds avec Angela Merkel. Quand ils ont fait la distinction d'Angela Merkel, qu'elle a gagné, je ne sais pas c'est quoi. Quand ils voient même deux fois aussi, hein, soit elle a appelé Angela Merkel pour donner, si c'est quoi de la paix, Adama, je ne sais pas. Avant, il y a vu un poste, même qu'il y a vu notre ministre, Kandia Kamara, offrir $1 million à je ne sais pas c'est à quel pays, c'est Turquie. C'est quoi, il dit Adama, quand tu vois beaucoup d'argent comme ça, et puis nous on souffre comme ça, là, $1 million, ça fait 600 combien de millions, francs CFA. On va prendre ça pour injecter ça dans les hôpitaux. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, quand la carte voit Mathieu Chang, il y a un mec qui peut dire qu'il va lui donner un truc pris. C'est quoi, je ne sais pas, je ne sais pas quoi là. On a vu, mais il a m'arrêté comme ça. Quand ils ont vu comme ça là, ils ont pas. Oui, oui, parce qu'ils ont pensé que la stratégie qu'ils avaient mis en place avait fonctionné. Ils ont pensé que les gens, eux-mêmes leurs propres enfants, qu'ils ont pris depuis bébé. Eux-mêmes, leurs propres enfants. Quand Myriam était en train de parler, papa, mon grand frère,
ma grande soeur, ma tante, le parrain de mon enfant, les ça, si. Les gens pensaient qu'elle était en train de se vanter. Les gens pensaient qu'elle était en train de se bébéya. Les gens pensaient qu'elle était en train de faire la dangoro. Oui, oui. Ils ont motivé la fille, ont poussé la fille pour que la fille puisse dégager. Pour pouvoir la dégager. Ils ont poussé la fille, à pomper la fille, à la blaguer. Elle est venue s'asseoir, raconter. Ils ont vu que c'est pas Yaya même. C'est pas on. Oui, oui, c'est pas on. Parce que tu as voulu raconter des bêtises. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je pense que j'ai mis la vidéo, mais vous n'avez pas bien regardé. Je vais vous montrer, vous avez bien regardé. Parce que je pense que... Ok. Attendez, il faut que j'agrandisse. Là, là. Attendez, il va enlever mon téléphone là. Je vais mettre ici. Vous voyez celle-là, non? C'est celle-là, là. Attendez, pas mon crayon là. Vous voyez ce qu'elle a là. C'est ça qu'on appelle protocole. C'est ça qu'on appelle assurer. Regardez comment elle a arrêté derrière sa maman. Et puis regardez, vous voyez la différence. Parce qu'il y a des gens qui parlent et puis ils ne savent pas ce qu'ils disent. Deux fois dans la vie, là, il faut comprendre. Et quand on parle, il faut écouter. Regardez, c'est celle-là qui était derrière maman Thérèse. Et puis les gens disaient, oh, ils ont chassé Miriam. Ils l'ont remplacé. Ils l'ont chassé. Ils l'ont remplacé. Elle est là. Elle n'est pas partie. Elle est toujours à son poste. Alors, voici qu'elle est là. Elle est derrière. Et puis, regardez la différence. C'est la même chose. Quelqu'un accompagne sa maman partout. Quelqu'un qui l'a aimé, qui l'a adopté, qui l'a pris depuis petite. Depuis où elle était à l'école. Depuis la petite était à l'école. Depuis la petite était à l'école, elle a aimé cette jeune dame, a porté cette jeune dame-là dans son cœur comme son propre enfant qu'elle avait mis au monde. Attendez, vous pensez que c'est les bêtises de Facebook, les causeries de toi a dit, moi a dit. Non, et puis il y a des gens qui étaient convaincus. Non, sérieux, on n'a qu'à se respecter dans ce pays-là. J'ai vu des gens venir s'asseoir raconter leur vie des mères. Les gens même qui ont adopté enfants d'autrui. Qui sont venus ici trembler sur Facebook. C'est secouer eux-mêmes l'enfant là n'est pas pour eux. Oui, oui. Il y a des gens sur Facebook là. Ils ont adopté enfants d'autrui. Ils sont venus sauter dans pam pam sur Facebook ici. On ne pouvait pas dormir. Taper. C'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est moi qui l'ai accouché. Enfin, elle n'est pas sortie de l'infante. Oui, on a vu ici des femmes qui ont dit ici pourquoi nous on ne reconnaît pas l'adoption. Qui ont dit ici que même si ce n'est pas l'enfant qu'elle a sorti de son ventre, c'est son enfant. Hein? Mais quand ça arrive autour des gens à qui ils ont demandé l'argent et que cette personne a refusé de donner l'argent, ils ont commencé à inventer des choses qui n'ont ni tête ni queue, juste pour rabaisser la dame, juste pour humilier la dame. Il y avait des gens jubilés, contents, oh, on l'a foutu, oh, on l'a jeté, oh, on l'a fait ceci, oh, on l'a fait cela. Oui, oui. Les gens qui étaient derrière cette enregistreuse, ils étaient contents. Quand on a commencé à voir maman, la mémé, le totem de Côte d'Ivoire, oui, oui, le fétiche des Ivoiriens. La mère de la nation ivoirienne. On a commencé à regarder à côté d'elle. On ne voyait pas sa fille. Oui, oui, on a vu des gens aller prendre une photo
de la dame qui était derrière, la partagé partout. Oh, ils ont fait voir. Oh, c'est que la fille entrée dit, c'est vrai. Oh, c'est rentré ici. Oh, c'est sorti ici. On était assis, on vous regardait. On dit, Dieu dit, mon peuple périt de manque de connaissances, de misère morale. La misère. Donc, sa maman va la chasser parce qu'elle est partie causer. Sa maman va la chasser parce qu'elle est partie causer. Causerie. Non, sérieux. Sérieux même. Sérieux. Il y a des gens qui étaient là sur Facebook pensant que quelque chose pouvait l'arriver. Eh, rien ne peut l'arriver. C'est pas Yaya Sachopa n'a rien fait. C'est pas hein. Oui. Même si c'est dans n'importe quelle justice, rien ne peut l'arriver. Ça choque pas. Elle l'assiste tranquillement, elle est couchée gaillardement, puis elle vit sa vie. Souffrez de la bénédiction qui est sur sa vie. Souffrez. Oui. Souffrez de la bénédiction qui est sur sa vie. Ça n'a qu'à vous déranger. Vous qui êtes derrière là. Quand vous avez vu la vidéo là. Oui, oui. Ça, c'est une vidéo du 9. Maman Thérèse a mis ça sur sa page. Elle fait semblant d'enregistrer pour déposer. Vous êtes tapis dans l'ombre. Vous avez disparu. Vous êtes devenu mieux. Vous êtes devenu popo. C'est Maman Thérèse elle-même qui a posté ça. Ça ne chauffe pas. C'est pas Yaya. C'est sur la propre page de Maman Thérèse. N'irai même pas page Facebook même. Et je cherche quand je n'ai pas vu. C'est sur la propre page de Maman Thérèse. Au calme, ça ne chauffe pas. Oui, oui. Il n'y a rien. C'est pas on. Oui, oui. Donc les gens qui étaient derrière elle, là. Oui, oui. Quand ils ont vu la vidéo, là, ils ont vu que c'était gâté. Oui, vous tous votre nom, hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas sur Facebook, c'est pas parce que vous n'êtes pas des blogueurs, mais tous les enregistrements, elle-même vous enregistre. Oui, oui. Mais on va se faire le plaisir de vous cueillir comme des mangues mûres. Oui, oui. Restez là. Oui, oui. Bande de sorciers, des venimeux. Vous avez réussi à madouer cet imbécile pour régler vos propres comptes personnels. Vous êtes dans l'incapacité de réussir votre vie. Vous êtes dans l'incapacité d'aboutir à quelque chose. Les gens arrivent à ce... C'est que Dieu les bénit. Et puis vous, ça vous fait mal. Et puis vous, vous en souffrez. Hein? Bref. Je reviens à ce qui s'est passé. Quand on devait l'envoyer à... Quand elle était au plateau. Oui, oui. Quand vous avez entendu les rumeurs pour dire qu'elle a fui, elle a fait ceci, ou bien ils l'ont libérée, elle voulait créer un scénario. Elle vous a expliqué. Elle s'est vue dans... Comment on appelle l'émission là même? Non, la série là qui sortait à la télé, là, Prison Break. Elle s'est vue en Prison Break. Je ne sais pas si elle avait le droit d'appeler quelqu'un ou elle n'a pas le droit d'appeler quelqu'un. Oui, oui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a commencé à faire des choses qui étaient incompréhensibles. Oui, oui. La fille a commencé à se blesser tout seul. Oui, oui. Elle a commencé à réaliser. Elle s'est dit, je joue le tout pour tout. Je joue le tout pour tout. Oui, oui. Elle a commencé à se... se mutiler, à cogner sa tête sur le mur. Vous voyez, quand les prisonniers deviennent fous, ils veulent qu'on les envoie à l'infirmerie, ils veulent qu'on les envoie à l'hôpital. Oui, elle voulait retarder. Oui, elle a pensé qu'ils allaient la soulever, ils allaient l'envoyer à l'hôpital, peut-être dans un chiot, dans un truc, et puis elle a gagné l'occasion de peindre. Je ne sais pas c'est quel scénario qui s'est passé dans sa tête. En tout cas, moi, je vous explique seulement. Oui, on va vous expliquer ce qui s'est passé de A jusqu'à Z. Partagez. Partagez la vidéo n'est pas partagée. Faites vite qu'il était ici. Un Didier dort, si c'est réveillé, coupe. Voilà. Donc. Oh, je m'en tire. Oh, je m'en tire. Il y a un parti sur ma page officielle. Là. Je suis venu ici pour dire. Quand je suis là-bas, là, il monte jusqu'à 1100, 1200. Il a quitté ici, pas qu'il m'assoit sur ma page officielle. Parce qu'il est venu vous dire bonjour ici là. Vous ne voulez pas partager. Partager, on va avancer. Oui, oui. Même étoile, vous n'en voyez pas. Mais ce n'est pas grave.
Mais partagez directement quitter ici. Sinon, moi, il m'assoit là-bas. Ok. Vous avez vu là-bas, vous regardez, vous ne pouvez pas commenter. Ah. Oui. Il va revenir à ses enfants, vous montrer à quel point c'est bon pour ses enfants. Oui, oui. Dieu a bien fait les choses. Hein. Ah, merci pour les étoiles. Oh, tu as fait quelque chose. Merci pour les 200 étoiles. Vraiment, vous êtes assis, mais regardez, vous pensez, sur cette page, il y a une étoile. Mais il ne fait pas direct ici. Il fait direct sur l'autre côté là-bas. Il vient faire direct ici. Maintenant, vous êtes là où me regardez. Il y a des gens qui m'ont dit, j'avais t'envoyer étoile, j'avais t'envoyer étoile. Maintenant, il y a étoile. Vous êtes là où me regardez comme ça. Vous ne partagez pas. Vous n'envoyez pas étoile. Vous ne faites rien. Vous êtes là, vous riez seulement. En tout cas, c'est bien dit. C'est bon pour la santé. Ah, voici les lits avec quelque chose. Voilà, je vous sens maintenant. Vous êtes motivé. C'est ça qui est bon. Maintenant. C'est vraiment, c'est la faute de l'écran. Il faut les dire aux Ivoiriens. Quand il y a un camarade qui a tout donné, la midis, son excellence, il ne sait pas se concentrer. En tout cas, elle est là. Chacun protège ses arrières. Elle est partie donner 1 million de francs CFA à la Turquie. Maman, tu ne m'as pas vu, faut venir me donner. 1 million de dollars. Maman, si tu m'avais donné là, si tu avais fait un grand geste pour la nation, une mère seule avec 6 enfants. Maman, quand il y a un camarade, il faut lui donner, il faut lui donner au Turquie. Et bon, attends, attends, écoutez ici. C'est pas mon affaire, c'est pas mon histoire, c'est pas mes problèmes. Merci, merci pour les étoiles. Ah, maintenant vous êtes fait action. Oh, mais vous n'êtes pas rendu compte que si cette page avait étoile ou bien. Partagez la vidéo, on doit aller dans les 2000 partages. Donc, la fille, elle a commencé à se violenter elle-même. Vous savez que les gens, quand ils te mettent au diouf là, eux, ils continuent leur travail, ils ne vont pas venir s'arrêter pour te surveiller. Vous êtes derrière le cachot là-bas, peut-être c'est quand vous devez manger, qu'on va vous envoyer la nourriture. Donc elle a commencé à se cogner. Donc elle pensait que les policiers allaient la soulever pour l'envoyer à l'hôpital. Je ne sais pas si on l'a appelé pour lui dire, je ne sais pas quoi. La nouvelle petite soeur de Bob Lee, depuis quand il s'est passé de Bob Lee? Elle s'est Bob Lee m'a déclaré comme ça, petite soeur. Bob Lee ne peut pas me déclarer comme ça, petite soeur. Lui, et puis moi, c'est trop chaud, elle est là. Bob Lee, même là, il n'est pas motivé dans le clash. Il n'est pas motivé. Tu sais, il y a une partie, il est vue là. Attends, il te dit, c'est une petite parenthèse, il y a une partie, il est vue là. Voilà. Elle dit, sa maman est. En tout cas, dans tout est fini de sa maman qu'elle a cité, il n'y a pas Baoulé dedans. Dans tout est fini. Bob Lee, ça, c'est pour toi, c'est ton petit cadeau. Oui. C'est la mère fière, elle, depuis. Oui, oui. Elle a tout ce qu'elle t'a dit sur elle, là. C'est moi qui ai investi ça sur Facebook. Ça chauffe pas. Tout ce qu'elle t'a raconté sur elle, là. Tout ce qu'elle t'a propre pour la BMC, là. C'est moi. Je suis responsable de ça sur Facebook. C'est. Ça chauffe pas. Si elle te répond dans l'eau, là. C'est que tout ce qu'elle t'a dit, là, c'est moi qui ai déposé. Moi, elle est en train de me critiquer. Elle prenait mes photos de grossesse, hein, pour dire qu'elle est si sale. Mes photos de grossesse pendant qu'elle est enceinte. On sait qu'il y a des filles qui sont ensemble. Elles sont claires. Quand elles sont enceintes, elles deviennent noires. Quand elles sont enceintes, elles commencent à avoir des boutons. Elle a pris ça pour me critiquer. Aujourd'hui, elle m'a dit faire loup, mes copains, elle narine, elle nez. Grossesse, elle dit c'est les hommes. Pour elle, c'est les hommes, mais pour elle, c'était la saleté. À nouveau là, on était de passage. J'ai dit, elle est venue s'asseoir pour dire que sa maman est mélangée, je ne sais pas quoi, si c'est comment ça, Abidji, ou bien Abouré, ou bien quoi. Mais il n'y a pas Baoulé dedans. De un, son papa ne l'a pas reconnue quand elle était petite. Donc, elle est restée dans la main de sa maman. Normalement, c'est ce qu'elle explique. Si sa maman n'est pas Baoulé, en quoi elle s'appelle Aya? Si son père ne l'a pas reconnue. Parce que dans tout ethnique qu'elle a cité de sa maman, il n'y a pas Baoulé dedans. Hein. Donc, son prénom villageois qui est dans son nom, là, normalement, ça ne devait pas exister, c'est le Baoulé qui donne ça. Ton père ne t'a pas reconnu. Ta maman est Abidji, et c'est pas mélangé, Abouré, mélangé, je sais pas quoi, beaucoup de tini que tu as cité là-bas. En tout cas, je n'ai pas entendu Baoulé là. En quoi, un, tu as ce prénom-là? Et de deux, en quoi tu es Baoulé? En quoi tu es Baoulé? Ton père ne t'a pas reconnu, donc tu restes ta mère. En quoi tu es Baoulé? En quoi tu parles Baoulé? Elle est quand même nous expliquer. La partie n'a pas expliqué. Parce que normalement, si ton père t'a pas reconnu à l'enfance, normalement, tu es resté dans la main de ta mère. Voilà. Donc,
Elle justifie le fait qu'elle soit Baoulé là. Elle porte ce prénom là. C'est dû à quoi? C'est impossible. Donc ces explications ne tiennent pas la route. Voilà. Ces explications ne tiennent pas la route. La seule chose qui peut faire que ça peut tenir la route, du fait qu'elle s'appelle, son prénom qu'elle porte, que je n'ai pas envie de répéter, si vous avez déjà entendu, c'est que, c'est comme ce que je dis là, on a envoyé une servante dans la maison des Baoulé quand elle avait 5 ans. Je vous ai dit depuis le début, c'est sa vraie histoire, c'est son histoire. Mais elle parle de travailler chez les Libanais. Oui, on l'a envoyé pour travailler à Abidjan chez une femme Baoulé. Peut-être c'est quand elle est arrivée là-bas qu'on l'a surnommée avec ce prénom-là. C'est la seule explication qui peut dire qu'elle porte ce prénom-là. Sinon, si elle veut parler du monsieur, là, monsieur ne la connaissait pas quand elle était née parce qu'il ne l'a pas reconnue. Voilà. Monsieur ne la connaissait pas parce qu'il ne l'a pas reconnue. Donc toute sa vie qu'elle entend raconter sur Facebook, c'est faux et archi faux. C'est pour ça qu'elle te dit, il ne faut pas te fatiguer au fait quoi chez cette fille-là. Elle ment du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui est vrai dedans. Si tout de suite quelqu'un est venu dire que telle personne, c'est-à-dire que les choses sont venues dire que lui là, le papa de ton enfant, c'est telle personne, elle est rentrée dans le jeu. Aujourd'hui là, elle est en train de parler comme si c'était les gens même qui avaient mis ça sur elle. Sinon, c'est elle-même qui a soulevé pour mettre ça sur elle. Personne n'a soulevé pour mettre ça sur elle. Elle pouvait dire, venir démentir simplement. Quand tu demandes aux gens de te respecter, il faut toi-même avoir un minimum de respect pour les gens. Moi, qu'on sait, tu ne peux pas venir déposer sur moi, puis je vais laisser planer le doute. Je vais venir démentir. C'est important. Ça pousse les gens à me respecter parce qu'ils savent que s'ils racontent des mensonges sur moi, tout de suite, ça sera dit et puis ça sera au clair. Ça ne chauffe pas. Oui, oui. Ça ne chauffe pas. Sa vie est mélangée. Mélangée même comme écouteurs des iPhones qu'ils ont mis dans valise. Et puis ils ont bloqué fermeture éclair. Sa vie est mélangée, c'est des inventions, des fabrications. Aujourd'hui, elle est ici, demain, elle est ici, après demain, elle est ici. Ses abonnés, même si eux-mêmes s'asseyent, puis ils écoutent toute l'histoire qu'on a eu à leur raconter là, eux-mêmes ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Voilà. Donc là, normalement, dans la logique, avec tout l'étendue de sa maman qu'elle a cité là, elle ne devait même pas parler un mot de Baoulé. Parce que son père qui a dit le Baoulé, il ne l'a pas reconnu. Donc, elle est restée chez sa maman. Donc, normalement, elle ne doit pas être Baoulé. Peut-être du fait de son faux papa qui a eu à l'adopter, je ne sais pas, ou bien du fait de son papa qui a dit que c'est son papa là. Là, après, quand il vient la reconnaître, là, elle porte le nom Baoulé, mais elle ne parle pas Baoulé, elle n'a pas l'accent Baoulé, elle n'a rien de Baoulé. Puisque c'est son père qu'elle nous dit qu'il est Baoulé et sa mère qui est d'autre ethnie. Mais ton père ne t'a pas reconnu. Normalement, tu devais être de cette ethnie là, pas Baoulé. Voilà. Donc, sa vie est mélangée. En tout cas, c'est mélangé comme... c'est mélangé. Maman, oui, quand elle vient s'expliquer, ça n'a pas une technique. Voilà. En tout cas, ça, c'est pour toi. Ça vous a dit, il ne faut pas te fatiguer. Elle a été déconstruite depuis... Il y a longtemps, elle a été déconstruite. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça cause ça. Personne n'a de respect pour elle. Elle ne peut pas s'arrêter devant qui que ce soit. N'importe qui a envie de prendre sa caméra pour l'allumer, la personne prend sa caméra et l'allume. Ça ne chauffe pas. Personne n'a de respect pour elle. Oui, oui, parce qu'elle est zéro. Elle a nié ici le fait qu'elle soit montée dans l'avion et dans le bateau. Elle a nié 100 ans. Elle a nié. Quand on disait qu'elle était venue par la nage, elle dit c'est faux. Oui, que c'est vous qui dites. Je ne suis pas venue par bateau. C'est vous qui dites. Et quand elle est venue, quand à la fin, même tellement elle était essoufflée dans l'affaire de venir par bateau, dans l'affaire de venir par bateau, tellement elle était essoufflée là. Elle est venue s'asseoir pour dire qu'elle est venue en moto. Elle est venue en jet ski. Oui, oui, oui. C'est jet ski, non? Moto de bateau, de l'eau, là. C'est que les gens prennent un bidon pour rouler sur l'eau. Là. Elle dit que c'est ça qu'elle a traversé la Méditerranée. Ah, hein? Enfin, les comptes qu'elle va venir expliquer son histoire de traverser là. Elle dit que c'est si ça qu'elle a quitté, qu'elle a bosé. Oui, oui. Pour ceux qui ont suivi l'histoire qu'elle a racontée de son voyage. Oui, oui. Elle n'est pas venue avec... c'est que les gens souffrent dedans. Là. Non, non. Elle n'est pas venue. Elle est venue en moto. Oui, oui. Jet ski. Elle est venue en moto. Elle était assise derrière. Elle était devant. Oui, oui. Elle était le passeur. Oui, oui. Et puis, poum, sur la Méditerranée. Poum, sur la Méditerranée. Poum, sur la Méditerranée. Et puis, on l'a déposée en Espagne.
Et je lui dis, oui, en Italie, je ne sais pas c'est où. Mais elle, on n'est pas venu les sauver sur l'eau. Elle est venue en jet ski, direct, première classe. Oui, oui, elle est là. Son beau ami, là, c'était première classe. Sur Facebook, c'est nous tous, on était là à l'assister. Oui, oui. Son beau ami était en première classe. Il y a des niveaux de beaux amis. Oui, oui. Il y a des niveaux de beaux amis ici. Donc, ne mélangez pas tout le monde. Tout le monde n'est pas la même chose. Oui, oui. Elles sont beaux amis, là. C'était sur jet ski. Bon, quelqu'un comme ça, là. C'est comme tu as dit, là. Tu dis que c'est là. Si on doit faire direct sur elle, là. On fait 100 ans, ça ne finit pas. 100 ans, ça ne finit pas. Il y a toujours de quoi dire. Donc, personne, c'est là. Personne. Personne. Elle seule. Elle était servante. Elle seule, elle a fait le tour de zone 4. Elle seule, elle a fait le tour de l'Afrique de l'Ouest. Tout ça, c'est prostitution. Ça peut être que quoi? Elle seule, elle a fait les pays maghrébins. Ça, c'est quoi? Ça, c'est prostitution. Donc, les autres, on a mouru dans les cuits, puis eux, on n'a pas mouru dans les cuits. Les autres filles, on les a violées, on les a maltraitées, puis eux, on les a pas violées, on les a pas maltraitées. Ça, c'est... Elle a nagé, oui, oui, comme requin mato. Elle est arrivée en Europe ici. Oui, oui. Une fille qui a déménagé 4 fois. Toi-même, on dit, tu déménages une fois l'année. C'est une fois par an, c'est bon. Peut-être tu as envie de voyager une fois par an, mais peut-être qu'ils ne payent pas ta maison. Bien, en tout cas, tu dis que quand la maison augmente, toi tu déménages. C'est toi qui vois. En tout cas, ça c'est pour toi. Mais une fille, elle-même, elle n'a pas payé la maison qu'elle arrive en France. Elle ne payait pas. Elle est partie rester chez un prisonnier. Jusqu'à elle est partie faire restaurant dans la maison des prisonniers. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Restaurant en cas d'août. Lui, gâter cuisine des gens. Mm-hmm. Pourri, souris, cafard, tout, saleté, tout est gâté là-bas. Elle m'a dit, cuisine, vraiment, zéro pointé de cuisine. Oui, elle préparait là, préparait le restaurant qu'elle a fait, ça n'a même pas tenu une semaine, tellement elle ne s'est rien fait. Ça n'a pas tenu une semaine. Oui, oui. Aller préparer le dokoumou, les akassa, et puis les abolo. Tout ça, c'est sa vie, on va expliquer, on va quitter ici. Elle est restée chez les prisonniers jusqu'à. Elle n'a pas pu. Elle est partie appeler ses anciennes camarades. Aller louer maison. Elle est restée chez les prisonniers, elle ne payait pas. Oui, oui. Elle est restée chez les prisonniers, elle ne payait pas. Elle est quittée là-bas. Elle est partie. Même son lit, c'est le prisonnier là qui a payé. Après, tout est sorti. C'est le prisonnier qui a payé son lit, tout. Après, quand il voit les gens, il dit qu'elle est battante. Vaut rien même. Même son petit commerce de gaine. On a dit qu'on lui donnait gaine cadeau pour qu'elle n'a qu'à vendre. Attends. Toi, on te donne un cadeau pour qu'elle t'invente à venir t'asseoir pour discuter avec des vraies personnes, qui ont des vraies entreprises. Maman, elle est partie prendre chambre, 3 chambres salon avec ses copines. On ne pouvait pas respirer sur Facebook ici. Oui, je suis dans 3 chambres salon. Je suis dans 3 chambres salon. On n'a pas payé 3 chambres salon. On l'a jeté dehors ses bagages. Elle s'est retrouvée, elle est dormie dans le salon. Elle était une salonnière. Elle avait sa petite couverture. Oui, oui. Tu vois la couverture qu'on prend dans les avions. Hein? C'est ça. Elle mettait par terre, puis elle se couchait dans le salon. Oui, oui. C'était dans le salon, elle dormait. Oui, oui. C'est la monétisation de Facebook. C'est à force d'insulter les gens sur Facebook, là. À force de venir s'asseoir mentir. Elle même sa plainte attend encore du bois là-bas. Aline, paraît-il qu'Aline a porté plainte là-bas. Mmh. Elle même, elle n'a pas fait attention avant d'arriver à Abidjan. Oui, oui, elle n'a qu'à bien vérifier. En tout cas, peut-être elle est quand même croisée à Abidjan. Mm-hmm. Sinon, c'est la monétisation de Facebook. C'est une vidéo à la con. Vous pensez qu'elle peut pas. Elle a son bébé. Elle me jugeait. Elle me critiquait. Mais elle a son bébé. Donc, normalement, si c'était moi, je n'ai jamais fait ça. Moi, il est venu m'asseoir pour critiquer quelqu'un. Il est venu m'asseoir pour prendre dans le clash, pour prendre la personne, pour dire que ton enfant comme ça, ton enfant comme ça, ton enfant comme ça, ton enfant comme ça. Moi, il a fait ça. Puis moi-même, il allait faire la même chose que ce que je suis venu critiquer hier. C'est qu'il ne veut pas critiquer. Si moi, il dit, je sais qu'il est capable de faire ça, il ne parle pas. Mm-mm. Oui, oui. Mais si elle ne fait pas direct, là, comment elle va faire? Elle va mourir comment? Il n'y a pas de papa de bébé là, il n'y en a pas. Sinon, elle allait arrêter de faire direct là. S'il y avait un homme pour s'occuper d'elle, pour lui donner l'argent, pour qu'elle puisse manger, elle allait arrêter de faire direct, elle allait se concentrer. Elle ne peut pas. Elle est obligée. C'est à cause de monétisation, elle fait vidéo. C'est à cause de la monétisation, elle fait vidéo. Parce qu'elle a compté sur la monétisation. C'est tout. Elle n'a pas d'autres revenus ailleurs. Elle ne peut pas se comparer à quelqu'un sur Facebook parce que les autres ont d'autres revenus. Ils ont d'autres moyens d'avoir de l'argent. Elle n'a pas. C'est la monétisation qu'il a fait. Donc,
comment elle va s'arranger pour ne pas répondre? Elle est obligée de faire des vidéos. Elle est dans l'obligation. C'est une obligation pour elle. Oui, oui. Elle n'est pas en train de défendre quelle idée. Qu'est-ce que le gars là, et qu'est-ce que Bob lui raconte de nouveau qu'on n'a pas entendu sur Facebook, sur elle? Normalement, c'est vu et ignoré. Il répète les choses. On a déjà fini de la déconstruire. Il a cette facilité même de la déconstruire. Tout le monde est d'accord avec la déconstruction de Bob. Tout le monde est d'accord avec ça. Parce que ce qu'il dit là, tout le monde sait que c'est vrai. Parce que tout le monde a assisté à ça. Donc, c'est facile pour lui. C'est facile pour lui de la néantir. Oui, c'est facile pour lui. Il y a tous les éléments qui sont là. Tous les ingrédients sont là pour faire le bouillon. Tous les ingrédients sont là pour faire le choukouya. Tous les ingrédients sont là pour faire le guaguasou. Tous les ingrédients sont là pour faire sauce gombo. Ça tire comme ça. Tout est là. Oui, oui. S'il y avait papa qui était prêt à s'occuper convenablement de sa femme, plus de son enfant, elle va venir s'asseoir pour faire une vidéo. Pourquoi? Pour faire une vidéo, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi quelque chose qu'elle a condamné hier? Quelque chose qu'elle a condamné fermement hier? Elle allait faire comment? Elle fait comment? Elle-même, elle cherchait papa d'enfant des gens hier. Les gens ont dit, vous cherchez. Personne ne cherche. Elle-même qui a montré les hommes à chercher papa d'enfant hier. Quand elle s'est promenée, quand elle ne savait pas qu'elle avait fait enfant, et puis elle allait chercher le papa de son enfant. Elle n'a pas venu présenter. Aïe, pourquoi elle ment? Elle n'a pas venu présenter. C'est ça qu'elle voulait que ce soit un exemple, non? Bon, quelqu'un qui a expliqué comment la vie doit être. Quelqu'un qui a expliqué comment l'exemple doit être. Maintenant, tu es face à l'exemple et puis tu dis, non, toi, tu ne fais pas. Aïe, il faut faire, pour montrer, on voit le niveau, tu caches quoi? Aïe, quelqu'un, toi tu dis, on dit tu déménages une fois l'année. Elle a déménagé 4 fois en moins de 2 ans. Elle a déménagé 4 fois. Oui, elle a insulté ma poussette ici, ma poussette. Elle a insulté ma poussette, elle a fini d'insulter ma poussette, je suis sorti ma poussette. Et fait direct sur poussette à cause d'elle, tellement elle est bête, elle est dure. Quand il a fini de lui démontrer le niveau de la poussette, elle a couché avant-hier là. Elle est partie payer même poussette là. C'est dans sa maison. Elle vient s'asseoir pour montrer poussette là. Oui, elle vient s'asseoir pour montrer poussette là. Il y avait pitié d'elle. Moi, j'ai payé poussette là. C'était ma deuxième. La première, depuis 2017. J'ai acheté la deuxième pour enjeter. Oui, depuis 2017, j'utilise cette poussette là. Dans en 2023 là. C'est en 2023 là. La poussette que moi j'ai dit j'utilisais en 2017. Que tu es venu t'asseoir sur Facebook pour insulter ma poussette. Je vous dis qu'elle a fait direct. Elle a insulté ma poussette. Oui, oui. Elle-même a dit payer même poussette. C'est dans sa maison. Oui, oui. C'est dans sa maison. Elle m'a traité si. Elle dit, j'étais dans 2 chambres salon. Elle disait qu'il était dans 1 chambre salon. Qu'elle ne va jamais faire ça. Qu'est-ce qu'il doit faire enfant là? Son enfant va avoir sa maison. Elle ne peut pas se coincer comme ça. La voici. Elle a mis un petit coin loco pour coincer comme ça. La voici. La voici. Moi, j'ai dépassé 3 chambres salon ici, dans elle là-bas. Oui, oui. Donc, celle-là, si on doit s'asseoir pour parler de sa vie, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter ici. Oui, oui. Donc là, c'est la misère mentale, la misère morale. Mais tu la soutenais dedans. Oui, tu l'as soutenu dedans. Tu étais d'accord avec elle quand elle faisait ça. Tu étais sa ta soeur chérie. Oui, oui. Ne répondez pas. Attendez, c'est parce qu'il n'est pas vite bloqué. Ne répondez pas. Je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de djinzin les gens sur ma page. Ils sont déjà djinzin de l'intérieur. Ils sont déjà djinzin de l'intérieur. Une fois que j'ouvre ma bouche, folie les bras. Ils sont obligés. Oui, oui. Sinon, quand tu as déjà anéanti quelqu'un sur Facebook, quand la personne sort, tu ne parles pas. Oui, quand elle sort. Oui, quand elle sort, c'est Bobby là. C'est parce que là, elle veut montrer aux gens que si quelqu'un parle d'elle, elle doit répondre. Et quand moi, elle parle, ferme ça, vous bien parle en parabole.
ou bien tourne, elle transforme, elle tourne les choses. Parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas. Elle est déjà finie, elle. Donc, elle est obligée de faire ce genre de simagrie-là. Eux aussi, ses abonnés sont obligés de faire ce genre de simagrie-là. Bah, ils savent que je détiens tout. Ça ne chauffe pas. Aïe, ça ne chauffe pas. Bob, il s'appuie aussi quoi pour pouvoir faire toutes ces vidéos-là. C'est toute la déconstruction que j'ai eu à faire. C'est tout. Moi, je l'ai fait changer sur Facebook. À cause de moi, elle n'insulte plus Emma Louis. À cause de moi, elle n'insulte plus Kamel Sama. À cause de moi, elle ne fait plus. Elle n'enregistre plus les gens à cause de moi. C'est moi qui dis, j'ai fait ça. Moi, c'est toujours même, je suis à ma même place. Et c'est toujours même, je suis à ma même place. Celui qui sort, il allume. Elle n'a même pas pu m'empêcher. Elle était derrière quelqu'un que j'ai allumé. Et que j'ai traité sur Facebook ici au CAM. Lui. Et que j'ai traité sur Facebook au CAM. Quand j'ai fini la personne comme ça, j'ai déposé le paquet. Tout le monde sait que c'est un colis suspect. Quand la personne prononce une phrase, les gens disent, hein? C'est ça là, c'est vrai. C'est ce que tu dis là. C'est moi qui dis, j'ai fait ça. Oui. Elle n'a pas pu. Donc, vos bêtises que vous êtes en train de raconter là. Elle-même, ce qu'elle est en train de raconter là. Elle-même là. Elle est obligée de raconter ça. C'est ça, on dit que tu cherches argument. Oui, oui. Sinon, normalement, elle doit fermer sa bave. Elle n'est personne devant quelqu'un sur Facebook. Quand je veux, je l'allume. Parce que mon cœur bat pas. Mon cœur ne peut pas yoyer. Moi-même, ils me connaissent. Mon cœur bat pas. Aïe. C'est quand tu as peur de quelqu'un que tu dis que cela même, il a fini de parler. Sinon, quand tu n'as pas peur de la personne, que tu as des choses à dire sur la personne, tu veux t'asseoir, tu dis. Aïe. C'est de ça qu'il s'agit. On sait comment ça se passe. On sait. Il n'y a rien. C'est la honte totale. La misère totale. Oui, oui. Ce qu'ils ont dit des vies, c'est ça qu'eux, ils sont en train de faire. C'est ça qui est ça. Ce qu'ils ont raconté sur Edwin, leur invention, leur imagination. Il a dit la parole que tu prononces dans ta bouche, c'est ça qui se retourne contre toi. Je vous ai dit, j'ai toujours fait retour à l'envoyeur. Guenon a voulu traîner mon poitou sur Facebook ici. Dit que je suis sorti avec deux frères comme ça. C'est son poitou qui s'est retrouvé sur Facebook. Wow, wow. On appelle ça retour à l'envoyeur. Oui, quand le karma des vies arrive, vous êtes assis pour vous trembler. Oui, oui. Alors là, il y a trois karmas qui sont pleins à tout. Il ne faut pas ça, c'est un autre. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Alors là, il y a trois karmas. L'enregistreuse. Le poitou. Oui, oui. De nous, voulait traîner mon poitou sur Facebook. À inventer, falsifier, raconter, jusqu'à prendre les gens pour appeler dans son téléphone. Oui, oui. Je lui ai fait retour à l'envoyer. C'est son con qui s'est étalé sur Facebook. Ça ne choque pas. Oui. On dit que la parole prononcée est très importante. Ça comme ça, quand moi, quelqu'un parle sur ma vie, là, je sors et puis je lui retourne ça au calme. Oui, oui. Oui, parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Si tu laisses quelqu'un prononcer une parole sur ta vie, c'est pas bon. Il faut retourner ça à la personne. Il ne faut jamais laisser quelqu'un prononcer une parole sur ta vie. C'est toi qui es maître de ta vie. On est fait à l'image de Dieu. Donc, on est maître de notre propre vie. Si vous laissez n'importe qui venir raconter n'importe quoi sur votre vie, ça va agir dans votre vie. Il faut retourner ça à la personne. Oui, oui. J'ai trois karmas qui sont se manifester sur la toile. Au calme, ça n'a pas chauffé. Quand Bobby était venu s'asseoir sur ma vie parce que j'ai fait un poste, elle est venue s'asseoir. Elle a fait 75 000 directs. Oui, oui. Elle ne peut pas me retourner comme elle est en train de retourner à l'autre. L'autre, elle ne peut pas parler parce qu'elle connaît. Elle attend son mot pour elle parce qu'elle attend sa part. Moi, elle peut parler parce que ça ne chauffe pas. Parce que quand Bobby est venu m'attaquer, elle est venue s'asseoir. Elle était la première. Ça n'avait rien à voir avec elle. C'était entre moi et puis Bobby. Oui, oui. Elle est venue s'asseoir dans le problème. Venir. Elle a pensé que j'allais laisser Bob lui parler. Quand il sort, il a lu. Lui-même, il a peint dans le combat. Ça n'a pas chauffé. Bah, il sait que si j'ai déconstruit quelque chose, les gens vont comprendre. Bah, quand elle est en train de parler, elle montre les, toutes les informations de Bob, les gens ne comprennent rien. Il n'y a pas de cohérence dans ses paroles. Donc, Bob, son cœur ne peut pas battre. C'est-à-dire que toi-même, tu t'en regardes son direct, ses explications, tu ne comprends rien. C'est ce que leur cerveau est mélangé là. C'est eux seulement qui comprennent ce qu'elle entend dire. Sinon, quelqu'un qui est lucide, quand il le coûte 2-3 minutes, il a migraine, il passe à autre chose. On ne comprend rien dans ces explications. On sait, nous, on sait qu'elle a des éléments. Parce que le numéro de sécurité sociale, le Bob lui est sorti. Mais Bob lui, son cœur ne peut pas battre parce que c'est une illettrée. Ça ne chauffe pas. Elle n'a pas la manière de développement de la déconstruction. Elle, sa déconstruction, c'est devenu mentir. Sa défense par rapport à José, c'était quoi? Sa défense par rapport à José, c'était quoi? C'était devenu accusé à lui. C'était tout. Sa défense de José, là.
s'est devenue accusée à lui. Elle n'a même pas pu défendre José. Elle-même, elle a condamné José. Mais elle sera cherchée problème chez Aline pour venir compenser le défaut de José. Ça, c'est quoi? Ça, c'est qu'elle défend ça. Elle ne peut pas être défenseur de quelqu'un puis l'absence va s'en sortir. Donc, quoi que ce soit, c'est impossible. C'est impossible. Donc, vous êtes dans un palais, elle n'a pas besoin de me répondre. Parce que quand Bob lui m'a attaqué, là, elle était en bas. Elle était contente, elle dansait, elle jubilait. C'est le game. Oui, oui. Moi-même, j'ai été correcte, je l'ai laissé, elle a fini d'accoucher. Moi-même, j'ai été courageux, je l'ai laissé la fille d'accoucher. Elle est en train de payer biberon pour stériliser. Donc, ça veut dire que l'enfant, là, il ne t'aide pas. Elle a biberon, stérilisateur. Donc, c'est allumage. Elle parle de témoin chez moi. Oui, oui. Parce que l'enfant, il prend biberon. Elle a payé stérilisateur. Elle a montré que l'enfant prend biberon. Donc, il est même fatigué. Pourquoi? Si son sein a mis, l'enfant va cracher. Elle va prendre biberon, elle va mettre dans l'air, elle va donner à l'enfant. Donc, on l'allume. Ça ne chauffe pas. Oui, oui. Hein? La trêve est passée, le temps de sa maternité est passé. Nous, on a respecté ça. C'est ça qui démontre qu'on n'a pas de haine. C'est ça. Parce que depuis son premier jour, elle est partie boire pour prendre grossesse. Moi, elle dit, je savais qu'elle est enceinte. Depuis le premier jour où on a Mougou pour l'enceinter, moi, elle dit, je savais. Et vous, vous savez que je savais. Parce que je vous ai dit. Oui. Il l'a laissé jusqu'à l'accoucher. Jusqu'à il dit à mes abonnés de ne pas l'attaquer. Donc, quand on l'a laissé, il va finir d'accoucher. On n'est pas pressé. Il faut qu'on respecte les règles. Chez nous, là, ce n'est pas à la guerre comme à la guerre. Parce que nous, on sait qu'à la guerre, il y a des règles. Voilà. Quand l'ennemi est au sol, c'est que c'est parce que tu es faible que tu vas marcher sur un ennemi qui est au sol. C'est parce que tu as affaibli que toi-même, tu vas marcher sur un ennemi qui est au sol. Sinon, si toi-même, tu connais ta force de frappe, l'ennemi est au sol, et puis tu le soulèves, tu le fais arrêter. Et puis tu lui donnes le coup de poing. Ça ne chauffe pas. Voilà. Donc moi, il est passé, elle qui avait la haine, jusqu'à m'attaquer pendant ma grossesse, jusqu'à venir dire que je mens, je ne suis pas enceinte. Je fais semblant d'être enceinte. Je m'en vais prendre un vent à l'espace pour venir me victimiser devant les gens. Et que ce n'est pas sorcellerie, je le fais. Vous n'étiez pas là. Quand elle a voulu même dire que je n'ai jamais été enceinte, jusqu'à venir faire croire aux gens que ma grande fille est enceinte et que c'est bébé de moi, ma fille, que je vais aller prendre pour venir ici, que je n'ai jamais été enceinte ici en France. Vous n'étiez pas là. Non, c'est deux fois, je vois que vous êtes illettré comme elle, vous qui la suivez, vous qui venez commenter là. Je ne sais pas, qui écrit pour vous? Vous faites audio pour écrire sur Facebook ou bien? Quand vous voulez écrire, vous parlez et puis on écrit. Parce que de quoi vous écrivez là, on a comme l'impression que vous êtes des personnes qui sont intelligentes, mais vous êtes très bêtes. Non, c'est, est-ce que vous lisez ce que vous écrivez? Est-ce que vous lisez? Vous ne lisez pas. Oui, oui. Vous ne lisez pas. Ici, vous ne lisez pas. Elle a eu à faire des crashs pour m'arrêter de son côté. Oui. Beaucoup. Beaucoup même. Oui, oui. Donc, quand vous parlez là, dites des choses qui sont sensées. Vous devenez vous asseoir, vous allez vous ridiculiser sur Facebook là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà. Elles veulent te détourner du sujet. Mais t'as dit demain est là pour elle encore. C'est quelqu'un qui est venu, la personne veut me ramener un peu à Don Giovanni. Voilà, elle me ramène. Mais Don Giovanni, lui, il est dans son truc. Voilà, lui, son travail, c'est elle. C'est elle, sa vie. Le problème, c'est que c'est elle. C'est elle qui doit démontrer d'avoir cette faculté-là, cette force-là, de ne pas faire ce qu'elle a condamné hier. C'est ça. Quand on parle avec... On te dit qu'on est dans un game où tu dois montrer ta faculté à tolérer, à accepter et à supporter certaines choses. Quand quelqu'un est en train d'imposer un acte que tu estimes que l'acte que la personne est en train d'imposer, c'est pas bien, tu ne fais pas pareil. C'est elle qui doit démontrer. C'est elle, en fonction de sa condition, de sa situation, c'est elle qui ne doit pas répondre, ne pas le calculer. Là, ça montre qu'elle est forte. C'est ça. Peut-être les gens vont dire, oh, c'est rentré sur ici. Non, non. Ça cause ça, Guenon, là, deux fois, là, elle a un truc. De Guenon, là, les gens pensaient qu'elle a fini un mois, mais elle attend. Quelque chose encore s'est passé dans ma vie seulement un peu. Guenon, c'est comme ça, elle est. C'est que l'autre en train de faire, elle ne fait pas ça. Il faut connaître tous les blogueurs sur Facebook pour comprendre. Guenon attend que quelque chose. Si quelque chose arrive dans ma vie, quand Guenon va se lever, là,
C'est là que vous allez vous en rendre compte que tout ce qu'elle tentait de raconter là, c'était vraiment. C'est parce que pour le moment, depuis là, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Ici, dans mon coin, je fais les choses comme je dois faire, tranquillement. Sinon, le jour, quelque chose va se passer dans ma vie. Quand elle va se lever sur moi, quand elle va se lever sur moi, c'est là, moi, je dois avoir la faculté. Oui, parce que je sais qu'elle m'attend. C'est qu'elle le fait là. Elle m'attend. Oui. Mmh. Donc là, nous, on connaît le game. Vous connaissez pas, vous êtes assis, vous êtes en train de regarder. Elle-même sait que la situation dans laquelle elle est, c'est pas bien. Mais elle n'a pas le choix. Elle a besoin de manger. Elle a besoin de l'argent. Il faut qu'elle a besoin de l'argent. Voilà. Il n'y a pas papa. Il n'y a rien. Il n'y a pas papier. Il n'y a pas aide. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ses produits ne marchent pas. Elles sont encore crasseuses. Qui va les payer ça? Qui? Qui est fou? Qui est fou? Oui, oui. Qui est fou? Même si ses produits marchaient, elle a vendu pour mettre des gens ici. Ce n'est pas les crépas. Elle a vendu, comment on appelle ça? C'est pas moi. Je sais pas pour ces trucs-là. C'est pas les crépas. Elle-même, elle gagne. C'est allé où? Bon, ils ont volé. On t'envoie plus de vos prêts de carbone. On t'a donné cadeau, non? C'est volé, non? C'est ton commerce. Normalement, tu t'approvisionnes. Ou bien, si la personne t'envoie pour que tu vendes, pour que l'argent tu bouffes, bon, gagne un peu là. En tout cas, on voit encore. Ou bien, ah, on n'en voit plus. Ah, un coup comme ça, le contrat s'est arrêté. Ils ont volé, valise, le contrat s'est arrêté. Un coup. Vous aussi, soyez intelligents, ne soyez pas bêtes, quand même. Ou bien, voilà. Pour moi, là, c'est quoi? Qui a besoin? Qui? Qui est bête, Béza? Qui va payer ça? Qui va payer? Qui quand tout le monde s'arrête, elle est incapable de se montrer sans filtre. Incapable de se montrer sans filtre. Incapable. Nous, on a fait des vidéos ici. Un moment, les filtres étaient coupés. On a fait vidéo. C'était la seule qui n'a pas pu sortir sans les filtres. Elle était la seule qui était incapable de faire un direct sans filtre. Nous-mêmes, on s'est assumé sans filtre. Pendant que Facebook avait bloqué les filtres sur Facebook. Oui, oui. Un moment, les filtres étaient bloqués sur Facebook. Il y avait beaucoup qui avaient disparu, qui ne faisaient plus de direct. Elle en faisait partie. Oui. Nous, on continuait de faire direct. Mmh. Elle était incapable de faire direct. Oui, oui. Ses pieds que vous voyez là, c'est son vrai truc. C'est son vrai. Comme elle était avec ses amis, elle pensait. Ce qu'elle vous montre là, c'est Lou Fit. Elle-même, ça fait Lou Snap, filtré, nettoyé jusqu'aux ongles. On a vu ses photos. C'est. Allez la chercher en vrai. Allez la chercher. Oui, oui. Mmh. Sinon, tout galque sur les gens peuvent dire ses tatouages aussi. Oui, tout galque. Quelqu'un s'est tatoué, il a une tatoue à côté de son compte. Hein. Oui, oui. C'est pas à cause de la saleté, à cause de la noisseur là, qu'elle-même a fait tatouage pour cacher la noisseur là-bas. Sinon, une fille qui est normale, une fille qui est intelligente, va laisser toute sa cuisse, tout son pied, tout son corps. Mais le tatouage ne descend même pas avec ses cuisses même. Le tatouage fait rien. C'est dans son compte, hein. C'est là-bas un vrai tatouage. Depuis quand? C'est parce qu'il y a problème là-bas qu'elle est partie faire le tatouage pour camoufler. Quand on voit une corps, oh, c'est tatouage, c'est gâté, c'est pourri, c'est glaisier. Il faut, les gens qui font le tatouage n'ont pas le choix. Ils sont obligés que de supporter. Mmh, on les paye pour ça, c'est leur travail, non? C'est la supportation, hein? Oui, oui. Ils sont obligés de supporter. Ah, ils n'ont pas le choix. Oui. Donc c'est pour ça. Comme tout ici là, ça ne change pas de couleur, c'est pas comme ça. Donc elle est obligée. Lou, maintenant elle est partie faire dessiner pour faire quoi que quoi. Sinon, mais elle sait. Ses pieds là, quand elle marche là, ses pieds se collent. Quand vous voyez ses cuisses, elle n'a pas d'espace entre ses jambes. Sa noisseur qui est ici là, c'est vrai, c'est pas on. Elle a pied X. Ses pieds sont X. Ses jambes sont collées. Donc, quand elle marche, il y a frottement entre ses cuisses. C'est pour ça qu'en bas, elle est noire. C'est pour ça qu'elle peut faire tatouage. C'est pour ça qu'on ressent que c'est le tatouage qui est là-bas. C'est pas un tatouage. Ses pieds sont X. Elle met un produit. Elle a de grosses cuisses comme ça. En vrai, les jambes Vous voyez les jambes, les dinosaures là. Vous voyez les dinosaures là. Les jambes d'arrière là, c'est long comme ça. Et puis les membres de devant là, c'est petit comme ça, c'est comme ça. Ses bras sont comme ça, et puis ses pieds là, Dumba, cuisse comme ça. Donc, elle est pied X. Donc, quand elle marche là, il y a frottement entre ses cuisses. Ce qui fait que
Produit là, ça ne peut pas prendre. Là en bas, là, c'est gâté, c'est noir, brûlé. C'est pour ça qu'elle est partie faire Jean, faire tatouage. C'est quand elle met un fils là, quand on voit que c'est tatouage. Sur le grand, tout le monde voit ça, ressemble à tache noire. C'est quand elle va aller faire, elle m'a filmé, elle va me fils là. Fit avant les taches noires, ça laisser les traces de tatouage et puis on va voir qu'il y a tatouage là-bas. Sinon, quand tu vois de loin, tu dis des tatouages que là-bas, tu ne peux pas dire. Sinon, on voit tatouage de tout le monde, on voit des dessins de tout le monde. On a dit, quelqu'un, il fait tatouage, tu le vois, il arrive là. Tu vois une tache noire comme ça sur lui. C'est quand il va venir écarter, quand tu vas prendre tes yeux pour bien regarder, comme si tu as pour un loup pour regarder, là, tu vas voir qu'il y a tatouage. Vous aussi. Quand on voit tatouage, sur peau claire, on voit le dessin. On voit le dessin. On sait que c'est tatouage. Mais on ne peut pas voir une masse noire comme ça déposée en bas de quelqu'un. Et puis, la personne va venir nous expliquer que ça tombe. Pendant que nous-mêmes, on ne voit même pas des dessins. On ne voit pas des dessins. On ne voit pas. Dessins, là, on ne voit pas. On ne voit pas dessins. On ne voit pas. Oui. Quand on te montre ses entrejambes, tu ne peux pas voir qu'il y a des dessins là-bas. Ça ne ressemble à rien. Oui, oui. Donc, ça ne chauffe pas. C'est le game. Elle est obligée de dire ça. Ils sont obligés de dire ça. Ils n'ont pas le choix. Sinon, ils connaissent. Connaissez, connaissez. Quand vous passez. Quand ils se promènent sur Facebook, ils ont déjà démontré par A plus B qu'ils finissent ça. Aïe. Et même, ils m'ont déjà donné le trophée. Aïe. Ils m'ont déjà donné le trophée. Et même, ils se promènent partout pour faire mon entalapou. Celle-là, elle est mauvaise. Celle-là, c'est parce qu'il est fait méchant, méchant, qu'il vous est marqué. C'est parce qu'il vous a fait méchant, méchant, que vous êtes en colère comme ça. Sinon, nous, on est dans notre amusement. Vous ne voyez pas la tribu aller commenter partout. Vous ne les voyez pas. Vous les voyez, la tribu, ils ont la haine pour quelqu'un sur Facebook. Ils s'en foutent. C'est pour rire, seulement. C'est pour patoya, pour rigoler, pour s'amuser. Mes abonnés n'ont la haine pour personne. Oui, oui. C'est vous qui venez écrire. Oh, s'ils sont obligés de répondre parce que c'est le game. Sinon, vous les voyez sur vos pages là-bas. Est-ce que vous les voyez même? Quand ils vont vous affaire, regardez si vous les voyez, ils vont vous insulter. Eux-mêmes, ils ont peur d'être bloqués là-bas. Eux-mêmes, ils sont là-bas pour commenter. Ils ont peur même d'être bloqués là-bas. Vous commentez maintenant. Vous les voyez là-bas. Donc, vous faites exprès. C'est vous qui avez la douleur. C'est vous qui avez la souffrance. Oui. Peut-être que toi, si tu es assis chez toi, tu es convaincu que tu as détruit la vie de quelqu'un là-bas. Mais si tu es chez toi là-bas, tu ne peux pas parler. Attends. Souffrez doucement. Hein? Nous, on est là tranquille. Ça chauffe pas. Oui. Donc, ça, c'était un peu pour. Il est revenu. Oui, oui. J'ai le temps. Il travaille sur Facebook. Il doit faire le direct. Cora, elle fait direct tous les 2-3 heures. Par jour, elle peut faire 5-6 directs. Là, c'est nous, on a commencé. En tout cas, moi, je n'ai pas encore commencé. Oui, oui. Maintenant, par jour, elle fait 5-6 directs de 20, 30 minutes, 40 minutes. On n'a pas encore commencé. Les vrais Américains, allez sur les pages. Les blogueurs américains, c'est nous, on fait un direct tous les jours, bien tous les deux jours. Vous pensez que quand on va commencer à faire des directs, vous allez supporter. Normalement, il fait direct, ça lui coupe. 2 heures après, il revient encore faire un autre direct. 3 heures encore, il revient encore, il fait un autre direct. C'est comme ça, en fait, c'est ça qu'on appelle un blog. Pour le moment, on ne vous a rien servi encore. Aïe, on a besoin de sujets. S'il y a quelqu'un qui a une vie médique, qu'on peut faire un blog avec ça pour bien l'insulter. Mais tant le fait, à cause de vos commentaires à la con, ça va nous effrayer. Oui. Mais vous avez mangé des gens que vous avez nourris sur Facebook ici. Vous êtes en train de vous manger entre vous-même. Et c'est nous que vous allez effrayer vos commentaires à la con. Des gens avec qui vous avez mangé, des gens avec qui vous donnent. Vous êtes pissé dans le moyen des gens qui étaient amis avec vous. Il y a plus de haine que ça. Vous êtes pissé dans le manger de quelqu'un qui partait nourrir ses enfants avec ça. Vous êtes arrêté avec règle, vous avez pissé dedans. Il y a quelqu'un qui dépasse un ça. Ça, c'est physique. Vous êtes bagarré dans la rue. C'est-à-dire que vous avez vu une blogueuse quelque part là-bas. Et puis, comme vous avez vu qu'elle était chiétive, comme vous avez vu qu'elle avait faim, quand vous la regardez, vous devez sachez qu'on a pris pour lancer. Oui, oui. Quand vous l'avez vu, on a un sachet d'eau de 50 francs. Et je ne sais pas si ça, le prix a augmenté, mais quand moi, j'étais habitant, le sachet là, d'eau du Awadji là, c'était 50 francs. Quand vous la regardez, c'est ça. Quand elle a vu le modèle de la fille, elle a dit que c'est comme ça la fille là. Et puis elle m'insulte là. C'est comme ça. Vous n'avez pas de haine. Vous n'avez pas de colère. Vous n'avez rien. Mais c'est vous qui frappez les gens dehors dans la rue. C'est vous qui pissez, chiez dans manger des gens pour que les gens n'ont qu'à manger. Mais vous là, vous n'avez pas de colère. Vous là, vous ça vous fait pas mal. C'est parce que quand elle me regarde, elle s'est arrêtée. Elle sait qu'on est bagage qu'elle nous.
Elle connaît bagage que nous. Elle connaît mon adresse depuis où elle est. Elle sait où me trouver. Elle me voit. Mais elle sait. Elle sait que c'est femme qui a arrêté d'elle. C'est pas comme Guénon qui est pitri, sa taille, on dirait une naine échappée de la forêt du Banco. Non, 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 non. C'est pas comme l'autre là, tu la vois, elle est comme ça, chiétif, elle ressemble même pas petite comme ça. On dirait sous moi, ici bien grande, bien. Quand tu me vois arrêter, c'est que c'est femme qui est là. Oui, oui. Malgré ici mince, mais quand tu me vois arrêter, c'est que c'est femme qui est là. Tu sais que c'est là qui t'es positionnée. Elle va se positionner si vous êtes dessus. Quand tu vois mon visage, mes pieds musclés, comme pour Yves de Roy, mes mollets dans mes talons, tu sais que là, mollets là, si j'ai pris ça pour te faucher, tu vois, c'est-à-dire que ta nuque va cogner le sol, tu vas perdre le souffle. Oui, oui, quand tu me vois, tu sais. Donc là, elle sait, oui, oui. Sinon, vous, vous n'êtes pas élu, mais c'est vous qui tirez perruque des gens dans maquis. C'est vous qui tapez les gens dans maquis. Vous, vous n'êtes pas élu, c'est vous qui pissez dans manger des gens, qui chiez dans manger des gens, qui mettez règles dans manger des gens. Vous n'êtes pas élu. Vous qui agissez dans la vraie vie des gens, vous n'êtes pas élu. Vous partez, c'est-à-dire que moi-même, ma voiture, c'est-à-dire que voiture, même que moi, je participe à payer la voiture. Quand tu es dans voiture, la personne va s'asseoir à ma place pour dire que je suis à ta place. Vous-même, vous n'êtes pas venu. Moi-même, c'est parce que tu m'as regardé. Tu as vu que tu ne pouvais pas. Oui. C'est à cause de ça que tu as commencé à te promener, mon ex. Sinon, tu as fait ça à tout le monde. La personne qui a la haine, c'est toi. Parce que ta haine dépasse l'écran. Ça rentre dans la vraie vie. C'est ça. Oui, oui. Sinon, tu as vu ici les agissements. Quand on parle de quelqu'un, tu as dit que tu ne peux même pas supporter le virtuel. Tu rentres dans la vraie vie des gens. Tu rentres dans la réalité des gens. Tu ne peux pas supporter le virtuel. Si tu as venu ouvrir ta bouche pour dire que il y a des gens qui ont fait ceci, il y a des gens qui ont fait cela. Tu peux faire quoi à qui? Tu ne supportes même pas le clash jusqu'à ce que tu vas dans la rue pour aller taper ta camarade femme. Tellement tu ne supportes pas le clash. On te dit faut le laisser aussi, tu ne veux pas laisser. On te dit laisse, tu ne veux pas laisser. Faut le laisser, tu ne veux pas laisser. Mais tu croises ta camarade dehors, tu veux la taper. Tu marches avec les gens, tu pisses dans les mangers, tu chies dans les mangers pour les donner nos cas mourir. Tu veux les empoisonner. Il n'y a plus haineuse que toi. Pour les gens, ça s'arrête sur le virtuel. Toi, pour toi, ça dépassait le virtuel. C'est rentré dans la réalité. Tu as fait à tout le monde dans la réalité. Oui, oui. Mais ça ne les chauffe pas. Ces personnes-là sont arrêtées, te dépassent jusqu'à aujourd'hui. N'importe quoi. Et quand elle est haineuse. Moi, je l'ai marqué. Toi, une lourde par la bosse comme ça. Tu as sauté. Même tu es Guénon, tu es parti. C'est Guénon qui t'a pas donné l'heure. Mais tu connais où moi, j'habite. Tu n'as pas qu'air. Tu connais que c'est mal maudit. Oui, oui. Tu connais. Hein? Voilà. Aïe, on se croise tous les jours ici. Ça ne chauffe pas. Aïe. La sœur n'a rien à dire. Elle peut dire quoi? Elle me sait que quand Bobby est entré, il m'a allumé là. Elle est rentrée dedans. Elle sait. Donc là, pour moi, on dit quand la balle vient de l'adversaire, pas au jeu. Elle sait que j'ai le droit de l'allumer aller-retour. Oui, oui. Ça n'a rien à voir, c'est le game. Elle sait que j'ai ce droit là dans le game. C'est comme moi quand je m'arrive et puis Guénon sort pour parler. Et puis elle vient m'asseoir et dit qu'elle est haineuse. Non, j'ai fait à Guénon. J'ai fait à Guénon. Je l'ai fait. Donc, si elle vient me faire, c'est normal. Si elle vient me faire, mes abonnés ne vont pas venir s'asseoir pour dire que oh, tu es méchante, oh, tu es sorcière, oh, tu es haineuse. Quand moi, j'étais en train de la faire, là, je ne savais pas qu'elle pouvait me faire un jour. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle pouvait me faire. Tout aussi, soyez honnête. Elle m'a fait. Maintenant, pour elle arriver, genre de me montrer, non, voilà, elle va dire ça, comme ça, je ne vais pas parler, je vais me sentir frustrée. Vraiment. C'est l'autre là qui peut se sentir frustrée dans ça. Sinon, moi, elle dit. Eh, c'est le game, tu m'as fait, t'es fait. En tout cas, quand Bob est en train de m'insulter, là, elle a fait lourd direct. Elle-même, elle sait. Elle-même, elle connaît. Elle sait que moi, elle j'ai le droit de parler. Bah, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'arrive dans ma vie, là, c'est elle qui vient s'asseoir. Même avec Francine Ba, elle est venue s'asseoir sur ma vie. Elle est venue s'asseoir sur ma vie. Avec Gaïa Koutet, elle est venue s'asseoir sur ma vie. Avec Riznogué. Elle a chargé Rizunogué. Parce qu'elle a dû entendre. Si fait, souvent, elle insultait Rizunogué. Mais comme elle a entendu qu'il y avait un petit problème, et elle a dame, je ne sais pas c'est quoi. Elle a chargé. Les gens sont arrivés, ils l'ont là-bas. Je sais si je les regarde. Elle a chargé mon Canada. Sinon, au début, c'est elle qui a commencé à m'insulter. Avant qu'il y ait eu problème entre elle et moi. Elle a chargé. On a vu plein de personnes ici qu'elle a chargé à cause de moi, Edwige. Aïe, vous n'étiez pas sur Facebook ou bien? Vous faites seulement, vous venez d'arriver. Il m'a